Salut à tous les amis, on se retrouve pour un nouvel épisode sur Mad City. Donc qu'est-ce que l'on va faire aujourd'hui? On va aller voir tous les lieux qui sont à piller au niveau, pas des braquages justement, mais l'inverse, vraiment tous les endroits où vous pouvez aller récupérer des caisses, etc. Donc là, première chose, il faut qu'on s'évade quoi, hein. Classico classique j'ai envie de vous dire. Mais voilà, petit épisode tranquillou. Ah bah nickel, un tournevis, et bah go, allez, on va aller tout simplement à la sortie. Donc pour sortir, c'est par là avec le tournevis. Donc c'est parti, on va y aller. Et on va voir si on va réussir à aller piller tous les lieux sans se faire trucider la tête. On va pas se mentir. Parce que c'est loin d'être un lieu très agréable et idyllique dans ce monde de brutes. Alors, on va aller par là. On va aller se faire spawn la petite voiture qui vole là. Je sais plus comment elle s'appelle. À chaque fois, j'oublie son nom. Mais bon, c'est pas grave. Hein. On va y arriver quand même. Hein. Hop. Parce qu'en vrai, elle va plus vite que le bateau. Même si parfois le galère à décoller. Allez, c'est parti. Notre petit téléphone. On prend la petite voiture qui va bien. Donc, c'est la Banshee. Donc, malheureusement, on ne peut plus l'avoir maintenant. Elle a été disponible un très court moment. Et c'est ce qui était dommage. J'ai trouvé ça très dommage. Hop, allez, c'est parti. Et le bateau qui arrive. Et ben bah voilà. L'une des choses que vous pouvez prendre pour pouvoir gagner de l'argent sans faire les braquages, c'est le bateau. Donc là, on va y aller direct. Et après, on va aller voir toutes les maisons et les magasins, les stations-service, où elles sont, tout ça, pour justement pouvoir braquer. Allez, Coco! Avancez-le. Bon, vu qu'on va passer devant la base criminelle, on va en même temps aller chercher des armes, les amis. On va pas s'enquiquiner la vie, on va pas se mentir. Le bateau, il va arriver après nous. Donc, on a le temps d'aller chercher les armes avant. C'est parti! Elle est tombée comme il faut la voiture. Pouf! Hop! Allez. Nos petits fringues. Une petite grenade, ça fait toujours plaisir. Non, celui d'à côté, s'il vous plaît. Nickel. On prend ça. Et on peut prendre celle-là. Et c'est parti, on va aller piller le bateau. Donc, le bateau, c'est comme les braquages. Il faut retourner à l'intérieur pour pouvoir gagner l'argent. Mais les autres braquages, les autres lieux à piller que je vais vous montrer là, vous n'avez pas besoin de revenir à la base criminelle en fait, pour les farms. Et c'est ce que je fais généralement quand je suis sur le jeu et qu'il n'y a pas de braquage en cours. Je vais dans les lieux qui sont à piller parce que, bah voilà, il faut s'occuper quoi. L'air de rien. Donc, c'est un peu ça le principe. Tac. Allez, on saute. Hop. On s'abaisse. On fait le petit parcours du combattant. C'est parti, on va s'équiper de ça. Parce qu'on sait jamais s'il y a quelqu'un qui ramène ses fesses. Bon, c'est ouvert. Donc voilà, vous allez sur les petits lingots des familles. Et hop, on va essayer de voir s'il n'y a pas des caisses qui tombent du ciel aussi. Ce sera pas trop mal. Mais voilà, on va aller piller. Je crois qu'il y a 6 ou 7 lieux qu'on peut aller piller sans faire les braquages en fait. Donc c'est plutôt cool quoi. On va pas se mentir que voilà, c'est sympa. Allez, allez là. Monnaie, monnaie. Hop, c'est bon. Donc 2000, c'est le plus que vous pouvez faire. Donc voilà, là on va aller à l'intérieur, on va aller reposer le cash et après on va aller vers la première maison. Hop, on va aller faire les deux maisons en premier, je pense, et après on ira faire les autres lieux. Allez, c'est parti. Ah, le petit bonhomme qui court, mais qui avance jamais assez vite, à mon sens. Et en même temps, IRL, allez courir comme ça sans vous arrêter pendant je sais pas combien de kilomètres. Je crois pas, non. Wow! C'est quoi son skin à lui? Wow! Le mec, on dirait qu'il s'est pris une fenêtre dans la tête. Tout va bien. Alors, on va aller prendre une moto. Est-ce que les motos classiques sont encore buggées? À chaque fois, je prends la fantôme maintenant, mais il faudrait que je reteste ma moto après. Hop! Allez, par là. J'ai coupé le son pour l'instant parce que cette moto fait un son horrible, les amis. Donc, le premier lieu à piller, voilà, c'est ici. Non, là-bas derrière, hello. Les gens, comme d'hab, hello, ne sait pas rouler avec sa fichue moto. Alors, c'est parti, on va là-bas. Tac. Non, on atterrit. Non, ils sont sérieux. Comment on fait pour remonter? Bonjour le jeu. Enchanté de te connaître. On est sous la map. D'accord. Moi bien. Moi bien, moi bien, moi bien. Bon, bah écoutez, respawn à la prison, j'ai envie de vous dire. Je vous reprends dès que je suis évadé. Non, les amis, je sais ce qu'on va faire. On va réinitialiser notre perso, comme ça on va atterrir à la base criminelle.
Allez, hop, comme ça j'ai pas besoin de refaire tout. Voilà, nickel chrome. On atterrit ici, on reprend des armes vite fait et c'est parti. C'est vrai que j'avais oublié cette histoire de réinitialisation de perso. Ah, ça aide pas mal ce truc. Bon, par contre, on a atterri en dehors de la map. Alors là, on n'a rien compris à notre vie, hein, on va pas se mentir. Mais voilà, hop. Non, c'est celui-là que je veux. Le shotgun, donne-moi le shotgun. Non, donne-moi le shotgun. Merci. Il est pas mal le shotgun, moi j'aime bien. Alors, c'est parti, on y retourne. Alors, on va faire spawn la moto classique. Voir si elle est encore buggée ou pas. Et non, elle roule aussi. Nice. Parce que celle-là, elle fait moins de bruit que la fantôme. La fantôme fait un bruit horrible. Donc, je préfère celle-là. J'ai pas envie de voler pour faire les petites zones parce que je veux que vous voyez par où on passe. Alors, est-ce que cette fois... Nickel, on n'a pas atterri en dehors de la map. Alors voilà, on va casser la fenêtre. On a du pognon là. Et il y a de l'oseille encore là-bas. Et après, il y a une chambre aussi à piller. Donc, il y a ça dans les deux maisons. Donc, on se fait pas mal de fric en vrai. Enfin, je trouve que ça va, quoi. Vous voyez, regarde là, 2000. Je sais plus combien ça nous a rapporté, la liasse. La télé, elle nous rapporte autant. Non? Non, 500 seulement. Ah, je croyais que c'était autant. Je vous avoue, je fais pas attention aux tarifs. À chaque fois, je pille les points verts, quoi. Là, il y a le diamant. Enfin, j'aime bien y mettre un diamant, mais... 2000, vous voyez, pour un diamant, c'est pas ouf, quoi, on va dire. Bon, voilà. Et vous pouvez aussi rentrer par la porte d'entrée, mais bon, vu qu'on est, on est rentré par ici, on reprend la même porte. Non, attendez. On va prendre l'hélico, parce que là, il faut qu'on aille dans une zone enneigée. Donc, je vais vous montrer de là-haut ce que ça donne. Pourquoi il est en train de m'enquiquiner, lui? Mec, tu t'incrustes pas avec moi. Hop, friends uniquement. Merci. Y a personne qui t'a invité au bataillon. Alors, je vais prendre de la hauteur pour que vous voyez un peu la map. Et comme ça, vous allez voir par rapport à la base criminelle où est la prochaine maison que je veux vous montrer. Alors, les amis, on se retrouve après que je me sois débarrassée de celui qui m'a cassé les pieds, littéralement. Donc, vous voyez, la maison était de l'autre côté du casino, et là, on est carrément à l'autre bout de la map. Donc, quand on sort de la base criminelle, c'est tout simplement à droite. Et la maison est juste là en dessous, c'est la maison rouge. Et elle vous rapporte autant que la précédente. Donc, c'est les deux maisons qui sont braquables. Hop! Et ça vous rapporte, voilà, un peu de cash. Donc c'est plutôt pas mal si vous attendez que les braquages soient en cours. Bon là, il y a des braquages, mais moi, ce que je vais vous montrer, c'est ça. Donc les braquages, je m'en fiche un peu. Mais voilà, globalement, il y a quand même moyen de se gagner un peu d'oseille en faisant tout ça. Hop. Ensuite, on va aller voir les commerces qui sont possibles de être pillés. Alors, il y a ça. La télévision. Et on va plutôt s'en sortir. Donc là, il va falloir qu'on retourne vers le centre de la map. Près de la base criminelle, en gros, pour pouvoir avoir ce que l'on veut. Hop. Donc le diamant qui va bien, des petites familles, des familles. Et il y a encore le pognon sur le lit. Hop, on se prend ça. Oseille, oseille, on en veut. Et voilà, maintenant on peut sortir. Donc maintenant, je vais reprendre la banshee. Non, pas les émotélos. Alors voilà, on se retrouve avec la banshee ici au niveau à peu près du centre. Donc, il y a le magasin qu'ils ont ajouté suite au boss poulet et au nouveau pistolet laser qui est ici et qui est braquable. Donc, il y a des caisses à récupérer. Hop, on va s'en sortir. Ah, bah ça a déjà été ramassé, mais c'est pillable normalement. On reviendra un peu plus tard. Là, on peut aller au niveau de la banque. Il y a des distributeurs à ramasser devant. Et ensuite, on va aller dans les magasins qui sont aux différents endroits. Mais... Il y a plusieurs endroits braquables. Les... Ah bah, distributeurs ont aussi été ramassés. Ils sont en rouge. Bon, bah écoutez, on va prendre la moto. C'est parti. Hop. On va... Non, ça rebug. Ils sont sérieux. Wow, c'est quoi ce délire? Mais franchement, hey, des fois la map... Waouh. Oups. Ok. On sort de la voiture, on atterrit là-haut. Alors voilà, les stations-service, il y a celle-ci. Je vais vous montrer la deuxième ensuite. Hop, on récupère 600 par caisse, donc c'est plutôt cool parce qu'on se fait 1008 en faisant juste un petit lieu. Où ici on est très rarement attaqué en vrai.
La deuxième station-service, on est plus souvent attaqué parce qu'elle est près de la base des super-héros, mais ici, on est très rarement attaqué. Donc, c'est plutôt sympa. Là, on va aller vers un autre commerce. Donc, la moto, arrête de bugger, s'il te plaît. Ça serait cool, ma petite copine. Tac, tac, tac. On va aller par là. Ouais, c'est ça. Il y a le magasin qui est ici, qui est pillable. Hop, vous voyez, il y a un petit pot qui rapporte rien, quasi. Ça sent, vous voyez. Et là, ça rapporte pareil que tout à l'heure, 600. Voilà. Donc, ça, c'est encore un autre lieu. Maintenant, on va faire demi-tour. On a encore un endroit à voir dans le coin. Ouais. Why not? Bon. Allez, on va faire respawn la moto. Donc, comme vous voyez, Mad City, c'est buggé. C'est buggé. Mais bon, voilà quoi, il faut faire avec. Ah, les distributeurs sont ramassables, les gens. Regardez. Regardez, regardez. Donc, les ATM. Hop, hop. Allez, allez. Donc 1000, donc vous faites 2000 rien qu'en faisant les deux distributeurs. Donc je pense que voilà, c'est pas mal. C'est toujours du fric de prix quand vous passez devant la banque. Hop, allez l'eau. Donc là, il faut que je retrouve l'endroit que j'ai vu tout à l'heure. Je vous avoue que la map, maintenant que j'y vais moins, je m'y perds plus. Alors les amis, c'est bon, j'ai retrouvé. Donc par rapport au magasin poulet, vous voyez, vous allez à droite. Et il y a le magasin là-bas au bout que vous pouvez ramasser. Je sais pas, j'ai pris mon arme, mais ça sert strictement à que dalle. Hop. Et ici, il y a des caisses aussi. Hop. Voilà, vous voyez, il y a des caisses ro rouges. Roses, oui, tout à fait roses. Ici, il n'y en a que deux par contre. Donc, ça vous fait 1002. Donc, après, voilà, c'est en fonction de vous ce que vous voulez faire sur le jeu. Mais moi, des fois, je m'amuse à faire ça. Parce que, bah, quand je fais les braquages. Des fois, bah, je me trouve en mode, quand je suis en live, il y a plein de gens à mes fesses. Donc en gros, je peux strictement rien faire, les gens. Parce que bah, si je fais un braquage, bah, je me fais dégommer, quoi. Littéralement. Donc, maintenant, il nous reste une station-service à voir et également l'aéroport. Donc, je vais changer de véhicule. Alors, on va se prendre la Banshee. Allez, ma petite Banshee. Driver, nickel. Allez, on s'envole. Alors, on a décollé, les amis. Donc, la prochaine station-service est là-bas, à côté de l'armurerie. Vous voyez, il y a le volcan. Donc, les super-héros sont au niveau du volcan. Donc, c'est souvent là-bas qu'on se fait agresser. Donc, on va aller en premier à l'aéroport au cas où on meurt lamentablement. Donc, l'aéroport est là-bas. Et à l'intérieur, vous avez des boîtes à ramasser, des valises et des billets. Donc, c'est plutôt intéressant de y aller. Ah, le magasin poulet, je vous l'ai montré, mais je ne vous ai pas montré les caisses, du coup, il faudrait que j'y retourne. Hop. Allez. Donc, on paye pas les véhicules, bien évidemment, parce que vous avez vu, on casse nos véhicules tout le temps. Même s'ils tombent et qu'ils n'ont pas de dégâts. Hop. Donc, vous voyez, il y a des ATM. Un ATM, là, déjà. Et il y a des valises derrière qu'on peut ramasser. J'espère que je ne vais pas avoir de problème. Qu'il ne va pas avoir quelqu'un à mes fesses. Alors. Voilà, on va ramasser. Je vais ramasser toutes les valises et je vous reprends après. 500 par valise. Alors voilà, j'ai ramassé toutes les valises. Donc maintenant, il y a aussi des liasses à ramasser ici. Vous voyez, ça vous rapporte aussi 500. Donc l'aéroport rapporte quand même pas trop mal, je trouve. Donc maintenant, il faut que j'aille à l'armurerie. Donc on va reprendre un véhicule volant. Oh, bah attendez, on va essayer de refaire décoller celui-là. Ah. Nickel. Alors, est-ce qu'on va réussir à décoller avec ça? Ouais, elle se remet. Elle se remet bien. Wow. Non, hello. Alors là, le fake du fake. J'ai appuyé sur ma touche espace, les amis. Je vais vachement décoller en appuyant sur la touche espace. Ah, j'adore. On cogne contre une paroi et on décolle quand même. C'est type à beau, ça, les gens. Alors, on y va. Donc, on va aller à la station service. J'ai pas l'impression de voir super-héros voler pour le moment. Donc, j'espère qu'on va être tranquille pour pas retourner. Ouais, hello? Tu t'es un peu fail encore. Allez, décolle la voiture, s'il te plaît. Youhou! Bon, très bien. J'ai décidé de pas voler aujourd'hui, je crois. Je crois, les amis, mon cerveau a décidé de ne pas voler. Je crois bien là. Alors, la station service, donc voilà, c'est pareil que l'autre. Hein, ça nous rapporte 1008. Donc voilà, c'est juste pour vous montrer un peu les endroits pillables. Donc je vais ramasser les caisses sans vous, je vous reprends après.
Alors les amis, ça y est, donc j'ai décollé. On va aller vers le truc du poulet, là, histoire de pouvoir tout simplement braquer les caisses, comme ça on aura tout fait. Du coup, faut que je me repère, donc faut que j'aille tout droit. C'est là-bas. Il faut que je dévie un peu ma trajectoire. Voilà, on y est, on le voit. Le magasin jaune en bas. Et le casino est braquable, donc je pense qu'on va se faire le casino en dernier. Pour finir la vidéo. Hop, à moins qu'on soit situé ici, ce qui est possible. Il y en a souvent qui traînent. Donc voilà, le pot rapporte moins, comme je vous ai dit, mais bon voilà, c'est toujours ça de prix. 500 quand même pour un petit pot, c'est pas mal. Donc j'adore le bug qui m'a fait tomber. C'était magnifique, mais vraiment magnifique de chez magnifique. Donc là j'ai mal appuyé, donc automatiquement on allait avoir du mal à récupérer la caisse. Donc voilà, c'est plutôt bien, je pense. Alors ce 1007, vous voyez, même s'il y a le pot, donc voilà, c'est cool quoi. C'est pas trop mal. On va prendre la moto. Hop. Hop là. Allez, l'eau. Alors, on va aller braquer. Non, dans l'autre sens. Demi-tour. Hop. Allez, on va casino, c'est parti. Hop. On espère qu'on va y arriver. Hop là. Ils sont pas récupérés. Ah bah, il n'y a personne qui est venu en fait. Donc, je vais récupérer les ATM. Enfin, les machines, pardon. Il m'a tué! Moi, je croyais que c'était un qui tirait dans le vent, vous voyez, mais même pas, c'était un flic. Bon, bah voilà, replay hello. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais vous laisser ici, les amis, pour cet épisode. Je vous remercie de l'avoir regardé. Voilà, on a vu les lieux à piller. Donc, maintenant, à vous d'être des voleurs de service et de tout braquer et de tuer tous les flics qui peuvent traîner sur la map. Je vous retrouve pour une prochaine vidéo. Je vous fais des bisous. Je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao!